Nouveau vlog, salut à tous, nous sommes samedi, je viens de faire sur Insta, on va dire un tuto en 2-2, comment se coiffer juste avec une barrette comme ça, en 3 secondes, et ça a donné ça. J'ai pas de barrette, d'habitude je mets des petites barrettes pour structurer, mais bon. Programme du jour, je vais faire ma toute première recette avec le multi-cuiseur. Ça sera une vidéo dédiée, donc vous l'aurez soit déjà vu, soit ça sortira. Et en même temps, ce qui est cool, c'est que comme je filmais là, Eric m'a dit, bah écoute, tu sais quoi, parce que là où il y a plein de spots, et même là où il y a un éclairage, mais c'est des éclairages jaunes, et quand tu filmes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas terrible. Donc il m'a dit, je vais tout changer, et on va aller acheter des éclairages blancs, plus puissants, de façon... Et même ça sera bien quand je filme le matin, le soir, franchement, avec la... les jours qui vont, on change d'heure demain, qui vont rétrécir, ça sera quand même beaucoup mieux pour filmer. Arrête Jack, il est au régime. Mes copines sont venues, mes copines qui regardent peut-être mon vlog, voilà, à cause de vous, Jack est au régime, bon, c'est pas plus mal, mais c'est toute la journée qui fait ça. Je suis chez Brico, alors Eric cherche ses ampoules, enfin mes ampoules, et moi je vais me prendre du scotch pour mes box. Scotch trouvé, est-ce que ça vous le fait? Là je suis passée au noir pour voir le masque. Et je trouve que l'odeur est très chimique. Et je pense que ça vient, ce qui serait logique, de la teinture noire. Rien à voir, mais il va falloir qu'on change notre robinet. Et il m'a dit, Eric, ça risquait d'être galère apparemment, en dessous pour atteindre, bref. Et il y en a vraiment des jolis. Mais je pense qu'on va continuer à prendre inox. Ça aussi, c'est sympa, mais je crois... Plusieurs personnes m'ont dit que non, il fallait pas parce que... Alors, je sais plus pourquoi, mais il fallait pas. Ça devait s'abîmer trop vite, ou alors peut-être ici, trop fragile. Dis-moi que tu trouves, dis-moi que tu trouves. Oui, j'ai trouvé. T'as tout trouvé, même l'ampoule... Je suis à 4004. J'aurais préféré 5004. Ok, d'accord, je continue de chercher. Merci. Voilà. J'ai la peine de me poser. Ok, bon, alors... non, cadrage, laisse tomber. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour la recette. Et on a trouvé les ampoules. Ah, ça fait bien. Mais il faudra s'en rendre compte, on s'en rendra mieux compte tout à l'heure, je pense. Non, je te rends compte, je vois, quand même. Oui, mais quand il fera nuit. Alors c'est blanc, mais on n'est pas encore sur le... Il n'y avait pas le, 4... le 5004, on est à 4000. Je vous montre ce qu'on a pris. Parce qu'on n'a pas pris que pour la recette, évidemment. J'éteins. Ouais. Bon, bah alors j'allume. Ouais, non, j'allume. Ça serait quand même mieux. Alors, bon, bah ça, c'est mon scotch. Qu'est-ce que je peux vous montrer de sympa? Ah, bah alors ça, grosse trouvaille, je vous explique. Je vous les avais montrés sans vous les montrer, mais l'autre fois, en fait, je n'avais pas fait gaffe, c'était ouvert, j'ai dû les jeter. Je pense que j'ai aussi une carence en magnésium, et ça, c'est plein de magnésium, donc c'est assez fort en protéines. Et c'est délicieux, donc banane saveur, beurre de cacahuète. Toi, Eric, tu prends les mêmes, mais versions citron, et il n'y a pas de matière grasse. Par contre, bon, on a regardé avec Yuka, il y a des petits additifs, mais tu sembles dire que c'est pas bien grave. Non, ça. Je te dis que additif, ça n'a rien à dire. Additif, c'est-à-dire qu'on a dit. Additif, c'est-à-dire qu'on a ajouté. On a additionné. Mais il y a des bons additifs, il y a des mauvais additifs. Et coco. Pour goûter. Bien, très bien. Mais sinon, ils sont, à part le côté additif, ils sont bien notés. Et moi, j'ai pris en plus myrtille. Quand t'as un petit coup de mou, je pense que ça peut être cool. On a repris parce qu'ils sont... Ah bah non. Ah, parce qu'ils sont... Ah, je les connais pas ceux-là, Nesquik. Donc, apparemment, ils sont pas mal. Ceux-là, qu'on a repris, pareil. Ah, ils sont B, tu vois, ils sont mieux notés, les tiens. Miel Pops. Ça, c'est parce qu'on va faire une belle recette. Donc, nous avons pris quoi? Une petite bouteille de vin. Moi, j'en prends très peu. C'est pas une petite bouteille de vin. C'est Côte de Beaune. Un bon petit rouge. C'est pas un bon petit rouge. Ah non, du Bourgogne, Côte de Beaune, un petit rouge. Mais non, mais je m'y connais pas. Je ramène un Beaujolais. Ok, bon, de la confiture. Un petit, mais je m'y connais pas, j'ai pas fait option sommelier. Non, mais n'importe. Est-ce que j'ai dit ça? Ça, bah, c'est pour la recette, lentilles corail, du curry en poudre. Il n'y avait pas de... Il était vieux. D'accord, avec le curry qu'avec les hommes. Quoi? Ouais, j'ai dit, il était périmé, le... il était plus bon, l'autre curry. Il était vieux. Tu n'aimes pas les choses qui sont vieilles? Pourquoi? Tu le prends pour toi? T'es pas vieux, bébé? Je suis périmé. Je ne sais plus quoi dire. J'ai repris un... C'est le L'Oréal Eyeliner. Je suis dégoûtée.
J'étais sur le point de faire la recette et je me suis rendu compte que j'ai pas d'huile parce que je cuisine jamais à l'huile. J'ai de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive tu peux pas la faire chauffer à haute température. Donc ça veut dire que demain, je vais la faire demain midi. C'est béni. Je vérifie quand même une dernière fois, mais bon. J'ai du rhum, ça ferme dans 20-10 minutes, hein, non, flemme, le temps d'y aller et tout, c'est bon. Allez, on va se prendre la tête. D'ailleurs, regardez, les clémentines que j'ai achetées tout à l'heure, non, mandarines, je les mets au congèle, j'aime bien. Et comme ça, hop, le soir, tiens, ils sont déjà prêts. Comme des petites glaces à l'eau. Partira pas en vacances, bis et tout. Ta mère, elle est pas douée, mon Jackie, non. Coucou, nous sommes le lendemain matin. Dimanche, je vais ouvrir les volets, déjeuner, et après sur les coups de midi et quelques, puisque la recette elle dure 8 minutes et il n'y a pas grand chose, j'ai choisi une recette, enfin pour commencer je m'en suis pas rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'éplucher, et après il y a le projet qui est là, je ferai la vidéo de présentation. Alors les amis, il est 10h et on va découvrir une youtubeuse, c'est Lady Blog, qui s'appelle Delphine et qui a fait une vidéo sur la box d'octobre, donc on va vraiment découvrir son avis. J'ai un peu peur, fais la grimace ou... On vient de se regarder la petite vidéo de présentation, ça fait plaisir à chaque fois quand il y a des youtubeuses qui font des unboxings, qui présentent ma box. Carton plein, là, vraiment, elle a été... Et ce que j'aime, c'est que je vois vraiment, c'est quelqu'un qui n'aime pas être spoilé, donc qui veut rien savoir sur même l'ambiance, le tout. Donc je la voyais, enfin, voilà, regarder tout au fur et à mesure. Et elle a vraiment eu la réaction que j'attends, tel côté waouh, étonnement, des marques qu'elle ne connaît pas, des trucs, enfin, trop contente, sa conclusion. Ça fait chaud au cœur. Pour l'heure, vous l'aurez deviné, il faut que j'aille chercher mon huile, parce qu'il est quand même midi 20. Ah mais non, on a changé d'heure, il est 11h20, ouf. Sinon, je l'avais un petit peu mal. Donc, je vais y aller tranquillement, chercher mon huile. Et après, vu que ma recette, elle fait 8 minutes, je pense que ça va le faire. Je vais faire vers midi et demi, voilà, tranquillement. Coucou, toi. Et toi, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Tu viens plus aux soirées, toi. Bah non, c'est fini. Il s'est mis en mode hibernation. Oh non, mais regardez son petit yeux. C'est l'amoureux de sa mère. Montre-moi comment tu fais l'amoureux de sa mère. Je compte jusqu'à 3. 1... 2 et 3. Mais c'est fou, hein. Ce chat est d'une intelligence. Je n'en reviens pas. Bon, maman, elle s'en va, mais elle revient. Oui. Il y a un monde devant la boulangerie. Ça tombe bien, je dois pas y aller. Par contre, la doudoune, c'est peut-être un peu trop. Il fait doux. C'est très agréable. C'est bon. J'ai mon huile. J'ai attaché mes cheveux. Je suis prête. Je vous reprends une fois que j'aurai fait la recette. Les amis, je viens de terminer la recette. Surtout, ne loupez pas cette vidéo. C'est mémorable. Vraiment, il s'est passé plein de choses. Je suis passée par plein d'émotions. Jack également, Eric aussi. Je n'en dis pas plus. Je pense que je vous la mettrai demain. Là, on va manger la préparation. On va tout laver parce que ça va prendre du temps. Et puis, je vous reprends après. Première recette mangée, mais je n'en dirai pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Là on va partir, il faut que j'aille chez soit la Foire Fouille, mon dimanche, donc Foire Fouille ou Jiffy, pour, vu qu'on a des nouveaux éclairages, un support, soit une nappe blanche, enfin un truc blanc que je puisse mettre quand je fais les photos, les vidéos, pour que ça fasse, comme expliquait Eric, un effet encore plus lumineux, plus blanc. Je suis sûre que là-bas je vais trouver ça. Je ne veux pas trop traîner parce que j'ai quand même toute la vidéo à monter. Je fais gaffe, j'ai toujours peur de que vous voyez des trucs que vous ne devez pas regarder. Ah, j'ai reçu mes stickers, je les ai montrés ou pas? J'ai peut-être fait des photos, bon, enfin j'ai retrouvé mes nouveaux stickers que j'ai commandés pour la box. J'ai reçu les cadeaux de la box Gold, il y aura 2 cadeaux à Noël à remporter. De sublimes cadeaux, un coffret, je ne dis pas. Et puis autre chose, une marque avec qui je suis en partenariat depuis le début, qui n'est d'ailleurs pas française, mais à l'exception, donc c'est une marque belge, excellente marque, il pourra potentiellement y avoir ce genre de choses, mais ça restera toujours des marques françaises. Voilà, ça c'est pour les petites infos, et en exclu, box de novembre, box de Noël, n'en parlons pas. Rapidement, ça ce sont mes nouveaux stickers, on a toujours les anciens, hein. Mais j'avais envie d'alterner, et j'ai fait la même chose. Alors c'est plus petit celle-ci, et inversement, donc le fond est blanc, il y a également d'autres nouveautés, mais ça, je montrerai une autre. À la Foire Fouille, tu trouves de tout, c'était sympa. Franchement, je sais pas vous, mais
Je suis pas trop dedans là pour Noël et compagnie. Tu cherches quelque chose pour toi? Oui. C'est vrai? Ah mais oui, des bâches. Je pense que j'ai trouvé. Hein. Les nappes au mètre, en plus c'est un petit effet brillant. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. De retour. Ouf. Et ben on va tester tout de suite. Après je me dépêche. Petite nappe, donc c'est 2,50€, j'ai pris 60 cm. En même temps, je suis en train de préparer un petit goûter. On va enlever ça. L'idée, c'est, vous l'aurez compris, mettre ici des éléments. Ah, c'est les ombres, il faudra faire attention, c'est pas grave, c'est l'inclinaison. Bon, bah on va faire nos petits tests gentiment, je vais faire le montage et je vais vous dire à demain. Ah bah oui, demain, ne loupez pas la vidéo test. Bon, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Bisous, ciao.